Salut à tous les amis, ici Fanta Régnier, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie du grand, du magnifique, du métallique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et aujourd'hui on va torcher un tout petit peu cette zone de la dissidence afin d'empêcher les mobs de popper n'importe comment. Voilà. Et donc, si vous ne connaissez pas, bienvenue dans le deuxième épisode de The Dream, la série modée, 112 mods, complètement what the fuck, non pas de l'industrie ni rien du tout, mais que des trucs délirants, trucs génétiques, des monstres, des machins, et je suis effectivement une araignée, hein, pour de vrai. Ça commence tellement bien. Je suis une araignée, je suis un oiseau. Ça va pas tarder, mon petit Bob, l'oiseau. Ah non, mais c'est du grand n'importe quoi, quoi. Pas Osiris et pas Rapis, regarde-moi bien. C'est ça. Tu aimes une araignée. Oui, une araignée. Ça veut rien dire. Pas Osiris et pas Rapis, une araignée. C'est quoi qui se débrouille bizarre? Le problème de l'araignée, c'est quand même qu'elle a une vision limitée, quoi. Je suis plus petit que les herbes. On va arrêter ça. Ah. Et tu peux voir les avantages des formes lorsque tu regardes le menu des transformations. Alors, attends. Le menu des transformations. Ah oui, moi j'ai un bug. Les petites icônes et j'ignore ce que ça veut dire. Ah, il tape plus fort. A priori, il tape plus fort et il prend feu. Ah ouais, je vois. Il peut prendre feu et il tape plus fort. Et l'araignée grimpe au soleil. Donc vraiment, l'araignée, c'est que des avantages, en fait. Aucun inconvénient, quoi. Ça... Ah ouais, carrément, mais l'homme araignée... Par contre, oui, le slime tape plus fort. Tiens, regarde, Bob, tu m'avais jamais vu en slime. C'est tout ce que ça fait, le slime? Ouais, ça tape plus fort. Ah, t'es mignon. Et bizarrement, regarde, filme-toi. Oui. Tu vois ta tête? Moi, je vois pas de différence. Ah. Tiens, vas-y. Moi, je disparais. Tcha, tcha, tcha. Un Hunterman, j'avoue. Ah là là. Hop là. Je vais m'y risquer. Hé hey, grand con, viens te battre si t'es un homme. Ah c'est ça, hein. Moi je me déguise en pot de fleurs, en fait. Tu te téléportes, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Mes objets sont en train de se briser, par contre je n'ai plus d'armes. Tu peux me faire une arme si possible? J'arrive pas à frapper. Attends, moi je tue là. Voilà, je tue. Pourquoi je n'arrive pas à frapper Standerman? Oh mon dieu. Ah ouais, parce qu'il se téléporte, tiens. Oh, vise ses pieds. Ah, bien joué. J'aurais bien l'avoir. Ah, bien joué, Fanta, tu l'as eu. Ah, c'est moi. Tu peux faire maintenant? Je vois... Alors, c'est marrant, refilme-toi encore parce que je vois toujours pas de différence. Après Octodine, t'as fake Fanta. Tu seras par mon contre, copain si nain. Si je pouvais avoir une arme, ce serait l'idéal. Attends, bah tiens, je te donne une épée quelconque pendant que tu te fais agresser. Tiens, attrape ça. Ce serait l'idéal. Et moi, je commence direct. Oh non! L'enfoiré! On se fait attaquer de partout. N'oublions pas que nous étions partis pour. Je me demande si on peut se téléporter en tant qu'Enderman, tu crois? Essaye, left shift, sprint. Attends, je tue ce monsieur. Left shift. Crouch, halt. Oh, il a laissé un cerveau, lui. Ça va être bien, ça, pour la recherche. Je me demande comment on fait. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité? Oui, en théorie, il y a la possibilité. C'est juste que j'ai pas le bouton. Okay. Je vérifie. Alors là, j'ai récupéré du fer. Essaye un clic droit avec les mains vides, écoute. Pas con. Déjà, je vais faire des épées en fer pour nous deux, ça te dit? Oui, avec grand plaisir. Avec très très grand plaisir, j'avoue que... Alors, clac, 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 clac. Épée en fer, monsieur Lennon. Épée en fer, moi. Tiens, c'est donc là. Donc on a encore trouvé le moyen de survivre amplement, largement à toutes ces conneries. Super, je vais poser tous ces objets foireux. Attends, je la rejette parce que tu l'as pas eu. Alors, tiens, je la jette. Oh, Fanta. Quoi? Ça va faire plaisir, ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien te regarder de haut. Ouvre le coffre. What? Hop! Oh! Hop! Putain! Te plaît, hein. Oh mon plaît. Dieu! Ce pouce vert frénétique des abonnés qui disent putain, on aura plus à regarder Fanta qui gère mal ses infanteries. C'est ça. Oh, il a une pelle, lui! Donne-moi ta pelle, fumier! Ok, je redeviens normal parce que ça doit faire bizarre pour toi. Il faut que j'apprenne à me téléporter. Mais comment on fait? Je vais être sincère, c'est pas gênant pour moi que tu sois un Enderman parce que comme t'es le seul, j'ai pas de. Y'a pas de tyrannie, tu vois. Alors, contrôle, c'est morph.
je ne ressens pas cette incertitude que j'ai dans mon cœur. C'est Numpad 5 chez moi. Tu crois que ça le fait quelque chose? Non. Non. Peut-être regarde les options. Écoute. Moi, ce que je propose, c'est qu'on y jette un œil pour le prochain épisode. Ouais, ou vous le dites en commentaire. Et encore quoi, qu'on va faire un épisode de plus, j'imagine. Donc, on n'aura pas le temps de voir. Mais dans deux épisodes, on saura. Tant pis. Non, même pas. Écoute, on fera la petite pause et puis on se jettera ça sur. Ah oui, super. 5 secondes. Non, parce que ça peut être marrant vraiment de te téléporter. Aïe. Oh mon dieu, t'as vu ce chapeau sur le squelette? Tu peux te contenter de le buter plutôt que d'admirer son sens esthétique. Tu sais que tu as une épée aussi, toi. Je sais, mais je suis en train de poser des torches. Et t'as une épée en fer, hein, tu l'as récupérée. C'est moi qui fais des charges héroïques, alors si je peux 5 secondes pouvoir me concentrer sur ce que je suis en train d'essayer de faire. Voilà, mon parfait. Dieu. Donc ça, les deux premières nuits extrêmement laborieuses. Hein. Ok, pour ça le moment. C'est fait. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucune saloperie qui apparaisse dans mon arbre, j'y vivrai heureux. Voilà. Oh, ok, j'ai envie de me lancer dans un truc complètement ouf. J'ai envie, en pleine nuit. Écoute, dans ce cas-là, il me faut toujours encore un peu de. World Domination. Open Block. Ah oui, il y a des trucs là-dedans. Des trucs de ouf. Alors je vais le dire sans embâge, mon fanfan, je ne sens pas encore à l'aise avec l'idée de construire une maison parce que je manque de matériaux. On n'a pas du tout ce qu'il faut, mon petit Bob. Il me faudrait juste de la cobble, plus de bois, enfin bref, tu sais, le... Ah ouais, je n'ai pas fabriqué la pioche en fer, j'ai failli à mon devoir et je m'en excuse. C'est pas grave, écoute, fais-nous une pioche en fer, vas-y. Voilà, si je peux. Clac. Au moins le terrain sera prêt, au moins le T'en veux aussi une pioche en fer, toi? Allez, ce luxe. Oui, si possible. Hop, et je vais balancer ça là. Ce serait agréable. Le jour retombe, Fanta. Il y a un zombard aussi, accessoirement, il se dirige vers toi, je m'en charge. Se relève, tu veux dire? Si j'arrive à l'atteindre parce que je ne peux pas sprinter. Là, c'est bon, je l'ai eu. Tout va bien. Voilà. Tiens, Bob, tes outils. Voilà, bah c'est bon ça. Et j'avais un bouquin, on a perdu des bouquins, j'ai dû les laisser quelque part. Il n'y a pas une tombe qui traîne? Aucune idée. Moi, j'ai les trois bouquins que j'avais au début, je les ai mis dans le coffre. Donc on très pratique. Donc ça va être Materials, et je voulais aller plus loin dans Materials justement, commencer mes outils doublons. Ça c'est fait, ça c'est pour faire la fabrique. Est-ce qu'on a de quoi faire une pelle en fer ou quelque chose, et il est toujours pas mort, il fait toujours pas assez jour là? Bah il y a un spawner là-bas, et puis la pluie... Je sais bien qu'il y a un spawner là-bas, mais il est trop loin ce spawner pour qu'il nous remarque, tu vois ce que je veux dire, donc il doit apparaître dans une zone... Ah, c'est celle-là. Il faut que je fabrique des matériaux. Alors... Le blank pattern machin, on a fait la stencil table. Part crafter. Oh, ok. Ça paraît encore vers la terre là-bas. Ok, donc ça je vais en faire deux, des machins comme ça. Ils viennent de loin, hein, ces zombards quand même. Je vais en faire deux, des machins. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils en font du chemin quoi. Je découvre un mode là, les amis, sous vos yeux ébahis. J'ai fait ça, je vais faire. Il y avait un coffre. Il y a plusieurs parties. Là, je panique un peu. C'est panique complètement pas, nouveau. Panique pas. Non, c'est. Je sais pas, c'est le café. Je sais pas ce qui se passe. Clac. Pattern chest. Je vais le poser. Panique pas, on est en train de bien avancer au niveau de la maison, tu vois. C'est pour faire les formes. Ah oui, et tu. Attends, il y a des trucs. On aura l'occasion de se marrer, mon petit Bob. Sérieusement. Bah moi déjà je peux me transformer en n'importe quel animal, donc tu vois, moi j'ai déjà gagné ma journée, je vais être sincère. Hein. Bon, j'ai pas encore tous les animaux possibles et imaginables parce que je les ai pas... Attrapez-les tous. Tout à fait. Monstre horrible. Celle-là, voilà, ok. C'est bon, j'ai la base. J'ai la base. Par contre j'essaie de virer un peu cette herbe parce que j'avoue que Fanta, moi l'herbe je trouve ça un peu étouffant, je vais être sincère. étouffant. Alors, comment on fait? Donc en fait, ce que je veux, c'est fabriquer un outil rigolo. L'outil rigolo par Fantasio. Comment je vais fabriquer ça? Je vais lire le bouquin, tout simplement. Alors, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, et maintenant, tout le forge. Non, ça c'est pas nécessaire. Non, ça là, coûte un peu cher. Un trou extrêmement. Slime.
Ok, c'est plus dans ce bouquin, c'est dans l'autre. Je vais vous nous créer un coin de paradis. Il est absolument hors de question que nous ne vivions pas heureux dans un environnement propre, formidable et fantastique. Je te pique un lingot de fer, un lingot d'acier. Je prends ce lingot d'acier. À mon avis, j'ai dû rater un truc et je pense qu'il faut que j'en fasse plus des comme ça. Voir de pelle, parce que je suis un monstre et que je gaspille des ressources. Voilà. Je pense qu'il faut faire des plans. Des plans avec ça. Et si je ne trouve pas, je ferai ça. On devrait faire un coffre en fait avec des, dans l'un les outils, dans l'autre tous les objets qu'on peut trouver, imaginer et penser. Ça me paraît construct. Je vais faire ça, Fanta. Tac, tac, tac. Il y a un truc qui m'échappe. Je suis pas loin du Schmilblick, mais pour l'instant. Pour il peut le voir. Il voit la fin. Il voit la fin. Il voit déjà la fin. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Comment j'en fabrique un en fait? Qu'est-ce que tu fous? Ah putain, il fallait que je change le pattern. Mais quel con, j'ai fait deux fois le même. Tu as du bois encore? Bien sûr, tout est dans le coffre de gauche. Okay. Dans le coffre de droite, il y a les outils. Pillage. Parce que voilà. Toujours en train de mourir de faim, sauf que j'ai abandonné mon pain quelque part, il est là, super. Faut aussi que je me rationne. Allez, j'en fais. Je fais des sticks, de toute façon j'en aurai besoin. Et je fais mes patterns. Alors, un vierge, deux, trois, quatre. Très bien, continuons à aplanir le sol, chers amis. Ah bah voilà, avec une... On n'a pas de diamant par contre ? Pas encore, mais je peux aller t'en chercher si tu veux. J'avoue, je vais peut-être faire mon riche, hein, je suis désolé. Je fais peut-être mon gamin qui a eu sa Neo Geo à Noël quand il était petit, mais une pelle en diamant. Ouais. Ce serait juste l'amour, si jamais on a assez de matériel au-delà. Une pelle en diamant, putain, ce luxe, Bob, t'es fou. Ouais, c'est le luxe, hein, c'est le luxe. Hein. Ça là, c'est le cadeau de Noël. Hein. Ouais, purée, bah, des Noëls passés, futurs et présents, parce que. Je peux te dire, ça me fait chier de te filer ça pour... Mais bon, c'est pas grave. Tu te rends compte à quel point t'es horrible. Le jour où t'auras des gosses, papa, je veux une pioche. Ah bah, moi, ma... Je veux une pelle. Jamais. Le cadeau des Noëls passés, présents et futurs. Avec, tu sais, le fantôme de Picsou qui apparaît. Ça me fait penser à une blague d'Homer Simpson. Enfin, dans un Simpson où le papy a envie de pisser. Et puis, il veut pas s'arrêter pour paniquer sa moyenne. Et en fait, et à un moment, le vieux, il dit, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Tellement il a envie. C'est excellent. Ah, oh, c'est triste. Moi, je serai notre roi de paradis, mon enfant. J'essaie de niquer un creeper. Ouah ! Oh, purée, ça, je vais pouvoir te faire des blagues avec ça. Ah, t'es transformé en creeper, bien sûr. Ouais. Je le savais. Nickel. Je suis en train de guetter du coup. Je guette. Je viens de me surprendre, chers amis, à flipper. Parce que je me suis dit, putain, si je lui mets encore un coup d'épée dans la mouille, ça lui. Ah oui, mais ça, c'est les blagues à la con. C'est sûr, non, que c'est si juste. Je te fais la blague. Ah, oh, il y avait qu'un diamant. Bah, t'as de la chance, toi. Ça va être ton cadeau de Noël. Oui, je vais regarder quand même à côté au cas où. Parfait. Je ramasse du charbon aussi, très précieux. Tout à fait. On en est où dans l'épisode? Au début, au milieu, j'en sais rien. Il suit plus, on a plus rien à foutre. D'ailleurs, sur Waka, on n'avait pas regardé. Les gens, ils se plaignent que je contrôle et tout, mais là, le dernier épisode de Waka, il a été un petit peu court. Enfin, du coup, quand on contrôle pas, on fait n'importe quoi. Voilà. Après, les gens se plaignent, mais c'est de votre faute. Voilà. C'est ça. C'est la cruauté la plus totale. Bon. Rage quitte YouTube. Ah, excuse-moi, téléphone, j'ai besoin d'une ellipse, c'est possible? Oui, allez, ellipse. Formidable. Moi, je continue à miner. Alors, les amis, je viens de tomber sur ça, qui était dans le fond. Et j'attends Bob pour la tuer. Ah non, j'attends pas, j'ai trop peur qu'il s'en aille. Je vais lui faire des blagues. Je vais faire le bas de Fanta. Allez, vas-y, reste avec moi. Oh yeah! Ça va être génial. J'utilise plus tard. Ellipse. Oh, mon petit Bob, alors. Voilà. Je suis très content. Le guac, tu délices. Excusez-moi donc. Je suis extrêmement content. Pourquoi tu es extrêmement content? Je suis
super content. Les gens savent pourquoi. Les gens savent pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ignore pourquoi. Je n'aime pas ignorer Jack, pourquoi. Tu as abattu un dildo et tu es devenu une nouvelle marque de vibromasseur. Non, si, peut-être. Parce que c'est c'est pour que ça m'évoque, moi, je... Ah, putain, t'imagines toute une série comme tiens, ça. Tiens, regarde derrière toi. Ouais. Attends, regarde Bob. Regarde Bob. Oui, je regarde. Oui. Ah non, je suis quoi? Ah non, je me suis trompé. Le fail. Oui. Bob, regarde. Regarde. Reviens, j'ai les mêmes à la maison. Attends, et filme-toi. Alors attends. Filme-toi. Ouais. Je vois pas la différence. Enfoiré. C'est toujours pareil. C'est ça que c'est génial, il y a toujours les deux carrés blancs à la place des yeux. Ah oui, attends, fais voir. Mais c'est presque ah à oui, croire. Ah oui, c'est ça. C'est presque à croire qu'à chaque fois, en fait, tu te transformes avec tes lunettes. Alors, je veux des artworks. Chers amis, je veux des artworks de ça. À chaque fois que Fanta... Je veux un artwork avec toutes les formes du Fanta, mais en fait, à chaque fois, il y a les lunettes. Ouais, exactement comme sur Twitter la dernière fois, vous pouvez continuer. Les lunettes de Fantasio, il faut qu'elles soient valides, hein. Piquées à mon skin. C'est vrai que t'as fait ça sur ton Twitter. Un truc super sympa où en fait, tu prenais les animaux. Oui, les fans ont pris les lunettes des les animaux, ils ont mis les lunettes de Fantasio dessus et voilà. C'était des fantanimaux. Ça rend juste trop bien. Trop bien. Okay. Et en tout cas, par contre, pour éviter les ennemis, pour voyager, partir en repérage, pour miner, voilà, la chauve-souris, c'est... le truc ultra cheat. Ah surtout, ouais, voilà, mais c'est complètement craqué. On est d'accord, c'est complètement... Ah ouais, moi je te conseille de trouver rapidement une chauve-souris. Bah, quand on minera... Ah, j'en ai entendu une. Ah, elle est en bas. Tu peux te transformer en araignée, toi, Bob? La nuit prochaine. La prochaine fois, quand t'écoutes, c'est pas... Là, il fait nuit, mais j'ai encore l'intention de travailler sur... Attends, c'est toi, ça, et que je te pique pas. C'est moi. Ah, putain. Oh, navré. C'est moi. Voilà. My beautiful self. Non. Non, je ressemble à moi dans la vraie vie. Voilà, my beautiful self. Voilà. Excellent. Ah, voilà. Et j'ai grossi, hein. Un peu. Non, je suis toujours un peu plus remplumé, c'est pour ça. Donc, okay. Pour ceux qui s'inquiétaient, parce que j'avais eu des gros problèmes de santé en 2000, c'était pas il y a un an, c'était il y a deux ans en fait. C'était l'été d'il y a deux ans, c'était l'été des Geek Ferries. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas en bon état. Ah ouais, parce que j'avais eu une angine de Ludwig, c'est-à-dire une angine qui s'était infectée au niveau de la langue et qui était horrible et qui a duré environ un mois. Donc pendant un mois, je souffrais tellement fort, même avec tous les antibiotiques ou les antidouleurs que vous vouliez, pour avaler quoi que ce soit à part des liquides, que j'étais en sous-alimentation la plus totale. Et c'est le mois où j'ai fait 4 conventions. Donc 4 week-ends de suite, avec l'épuisement qui va avec, qui est très éprouvant pour le corps. J'en ai fait 4 à la suite, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais je ne me suis pas nourri et du coup, je littéralement mort. Mais bon, ouais, ça. Mais ça va mieux. Non, mais ça va mieux. Je m'en suis remis. Hein. Il m'a fallu quelques mois, par contre. À mon avis, il me manque quelque chose, mon petit Bob. Tu sais, il me manque quelque chose dans cette fabrication. Il me manque un élément. Mais je suis pas loin de fabriquer des super outils. Je saurais pas comment faire, mais je suis pas loin de les fabriquer. Comment faire? J'ai dû rater un truc dans le bouquin. Tous mes espoirs, tout mon courage. Je tiens à te dire. Excuse-moi de pas t'avoir écouté jusqu'au bout. Non, mais tu penses bien. Je parlais aux viewers aussi. Mais voilà, ça va mieux, ça arrive, c'est la vie, c'est tout. Le truc, c'est que il faut observer que pour l'instant, mon quadrillage de la zone est un succès total, à part pour là-bas d'où viennent encore les monstres. Très bien. Donc maintenant que j'ai compris d'où ils viennent, je vais pouvoir zoner la zone. Tu sais qu'on manque. Je vais te donner une pelle en diam si tu veux. Mais on manque. On manque de bois. Hein. On manque de bois, très bien. Dans ce cas-là, la prochaine mission, on la connaît. Voilà. Joyeux anniversaire, Bob. Aïe. Oh, merci. Aïe. 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 Ah, ok. Effectivement. Aïe. Voilà. Je suis désolé, j'ai essayé de faire un extra mile pour torcher un peu la zone, mais... Ah, c'est marrant, j'aurais cru que tu te serais transformé en chauve-souris et que tu te serais envolé. Après, mais ça c'est le plan. C'est le plan. je pense que je te donnerai l'appel après. Hop, transformation sous l'eau. Tchac, 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 tchac. Ah non, c'est un creeper, c'est pas bon.
Tchac, tchac, tchac. Voilà, c'est parti. Vers l'infini et l'au-delà. Est-ce que les flèches peuvent encore me faire du mal une fois que je suis sous l'eau? J'ai pas pris... Oh, il a une couronne sur la tête, lui. Oui. Je sais pas. Pourquoi je veux pas me transformer? Bah si, je coule. Ah, c'est bon. Bon, je vais les niquer par-dessus. Ils vont rien voir. Ah, là, je suis en désavantage le plus total. Ah, j'ai eu l'archer, super. Non, c'est moi qui l'ai eu. Je suis la petite chauve-souris qui te sauve la vie. Je suis ton ange gardien. Il a un slip sur la tête, lui. Attends. Ah oui, ah. Putain. Oh la vache. Oh, c'est un bébé. Oh, ah, ça c'est pas modé, ça c'est... Oh, la couronne. Je veux. Comment on fait pour leur voler ça? Y a moyen de changer les chapeaux bientôt, mais je sais pas comment on fait. Il faut qu'on vérifie. Pardon. Ah, oh putain. Ah, ah bah tiens. Ah merde. Je suis trop puissant. hop là. Ah, un peu. T'en fous très, moi. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, appuyez sur pouce vert. Salut à tous les amis, c'est Fanta Lennon, et ici, et bienvenue dans notre... Oh putain, attends, tiens, je t'ai jeté une pelle dans l'eau. Et tu remarqueras que les objets flottent, ça c'est une super idée. Tiens, regarde, derrière toi la pelle. Attends, je casse d'abord ma tombe, voilà, très bien, derrière moi la pelle, là elle flotte, ouais, très bien, excellent, super. Cette usurpation d'identité. Histoire, ouais, histoire de pas, confondre nos amis... Ouais, je reprends ma tronche. Voilà. Hop. Si on commence à jouer à ce petit jeu, Fanta, on n'a pas fini en fait. C'est pour ça. Vaut mieux qu'on se. Hop, sort in rose ou sort en colonne. En colonne peut-être. Alors, oh. Moi, pendant qu'on s'était fait agresser, j'avais trouvé la solution à mon problème qui était de faire. En fait, ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, les amis, c'est d'essayer de comprendre un mode. Un mode que je n'ai pu utiliser qu'une fois de manière un petit peu approximative. De toute façon, ce que je fais n'est pas intéressant puisqu'il s'agit de bêtes simples, pures et tranquilles terraforming. Hein. J'aplanis bien le terrain de manière à ce qu'on puisse se défendre efficacement de toute la horde de saloperies qui veut nous attaquer la nuit et qu'on ait un, entre guillemets, un bastion qui soit à nous et dans lequel on puisse vivre dans une sécurité relative. Je dis bien relative, mais voilà, vous m'avez compris. Vous avez compris le but de mon opération. En plus, là, est-ce qu'on a moyen de faire un saut, Fanta? Un saut? Oui. Mais oui, j'étais en train de voir. Il y a plusieurs épées, dont une rapière. C'est les épées un peu plus pointues. Ça m'intéresse, moi. Alors, une rapière, hein, les épées un peu plus pointues. Ce sont des épées qui n'ont pas de lame à proprement parler, qui ne sont que des pointes extrêmement longues, qui ont pour but et qui ont été créées afin de percer les armures, ou plus exactement, de percer les faiblesses dans les armures médiévales de l'époque qui étaient en grosses plaques et qui, de toute façon, les épées ne pouvaient pas passer au travers. Parce qu'il fallait absolument des masses pour passer à travers ce genre d'armure, ou alors une force physique de taureau. Je dis pas que c'était pas possible, je dis que c'était peu pratique, et c'est pour ça que les gros chevaliers en grosse armure face à eux prenaient des Morgenstern, ou des étoiles du matin, comme on les appelle, pour cogner sur les mecs qui étaient en grosse armure. C'est aussi pour ça que le combat à la lance, enfin, tu sais, la joute, tu sais, où ils étaient en grosse armure sur des chevaux, d'où le nom chevalier, bah, ils faisaient des morceaux pointus. Enfin, des morceaux pointus. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est des lances, quoi, c'est pas... Ça aurait pu faire ça à l'épée, mais ça aurait été moins badass. Avouons-le. Oh, je suis déçu, elle est pas assez puissante pour moi. Il y a une dague. L'eau. Je viens de récupérer de l'aluminium, Fanta. Charge boost, lunch. Ouais, bah écoute, stock. Hein, toute la nuit, pourquoi toute la nuit il y a des zombards qui pop pour nous attaquer? Est-ce que c'est un. Ouais, mais c'est dangereux, hein, faut pas croire, on n'est pas dans le pays des bisounours. C'est pour ça que The Dream est écrit avec des lettres d'horreur, mon petit bum. Tout à fait, mais le truc qui me surprend, c'est qu'apparemment ces zombies semblent nous trouver. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est peut-être. Est-ce que le jeu fait popper un nombre d'ennemis spécifiques qu'il va ensuite nous envoyer sur la gueule chaque nuit? Non, mais ça me fait penser, au mode ultra hardcore, ou enfin quand c'est en mode hard, en général, les zombies ils te traquent de très loin. Alors est-ce que c'est quelque chose de généralisé au mode ou je sais pas? Je reste quand même persuadé que les zombies sont à tête chercheuse. Oui, oui, tout à fait, ils le sont. Mais non, mais à tête chercheuse dans le but d'avoir été créé et envoyé et popé avec zombie pop spawn 1 avec commande kill Bob Lennon ou kill The Fantasio. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, puis, c'est comme ça, maintenant dans Minecraft en mode difficile. D'accord. Après, je sais pas si on est en mode difficile ou si c'est appliqué au mode, mais oui, c'est comme ça.
les zombies te viennent en horde sur ta gueule. C'est ça, parce qu'ils savent où on habite et on a très bien torché la zone en fait. Il y a beaucoup d'exploration sympa aussi qu'il y aura à faire. J'ai compris pour le truc, mais j'ai rien d'intéressant si je vais faire une pelle hache pour Bob. Ça te dit une pelle hache ? Une pelle hache ? Un mattock, voilà. Et j'aurai ma mission accomplie, un morceau de pelle, un morceau de hache. Alors Mass Effect, le mattock est une excellente arme, je dis oui. Donc, Axe... Shovel. Ok, donc là c'est ici qu'on fabrique ça. Ouais, parce qu'il pop de loin quand même ces fumiers. Hein. Ces fumistes. Là il y a des plantes qui sont étranges. De l'iris. Comment je fais pour fabriquer ? Il y a un problème, c'est pas le bon. Iris, je croyais que c'était ce qu'on mettait dans les yeux. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est ce qu'il y a dans les yeux, tu me diras. Ok, c'est pas grave. Tac. Est-ce que j'ai une hache en fer ? Il me semble que j'avais une hache en fer. Non ? Si, peut-être ? Oui, je te l'ai donné. Bob, je vais pas y arriver ce coup-ci, il faut que j'aille réviser mes machins. Bah écoute, tant pis. Depuis tout à l'heure, je t'ai jeté un seau qui traîne par terre. Qui est où ? Dans ma poche. D'accord. Vas-y. Bon, bah on a survécu une fois de plus. Ça te dit d'aller tuer une chauve-souris ? Viens en mode araignée avec moi. Eh ben, on va partir en mode minage, Fantin. On va partir en mode minage. Dès que la nuit tombe, je propose qu'on aille dans la faille. Viens tout de suite chercher la chauve-souris, et puis comme ça, puisque là, je pense qu'on arrive en fin d'épisode à peu près, viens, on va chercher le mode chauve-souris, ce qui nous permettra de faire peut-être pour terminer l'épisode un peu d'exploration des alentours. Ah, c'est une bonne idée. En plus, on pourra aisément récupérer savoir où c'est qu'on se situe. Des ressources de cette manière. Oui, exactement. C'est le top pour les ressources. Tout à fait. Je suis d'accord. Alors, je finis juste ce que je suis en train de faire. Je suis désolé. L'épisode sera un peu plus long du coup. Mon dieu, je sais que c'est interdit. Je sais que c'est interdit, mais écoute, quand on s'amuse. Exactement. C'est pas un problème. C'est... J'ai même pas eu peur, tu sais quoi ? Je me suis dit, c'est lui. quand je te donnerai des coups, tu verras. Non, parce que disons que c'est pas comment dire. Eût-il encore fallu que je comprenne d'où vient l'araignée ? Je ne sais pas. Alors, du coup, depuis le temps, on a une houe ? C'est toi qui as et t'as pas fait ta plantation, mon petit Bob. Mais j'ai aplani très très fort le sol. Oui. Et du coup, on a amplement de quoi. On a amplement de quoi. Hop. Et là, je suis en train de faire quelque chose de joli et d'harmonieux. Je vais procéder à une plantation au bord de l'eau. Ça te va ou pas? Non, attends. Tu veux planter ça? Attends, non, pas là. Dis-moi où. Je voudrais mettre la fondation pour la maison. Et je voudrais que les plantations se trouvent ici, là où je me tiens à peu près. Donc on devrait avoir largement la place. Par contre, je vais mettre la fondation pour la maison et t'en fais pas. Comment dire ? Je profite du peu de lucidité que j'ai pour aller mettre des torches sur le mob spawner là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah attends, non, allons choper une torche, une chauve-souris, on s'en fout. De toute façon, le mob spawner là-bas, je pense pas qu'il nous soit un problème. Mais oui, bah vas-y, volette gaiement. Et... C'est toi le gay. Non, mais. Mais non. attends. C'est ce que je crois. Ah non, je croyais que c'était. Je le dis pas. Ceux qui voient à quoi j'ai pensé, vous êtes des petits malins. Mais c'en est pas. Ça s'en est. Non, c'en est pas. Est-ce que je fais une base solide, une base large ? J'ai pas d'idée. Il me faudra peut-être un peu de temps entre épisodes pour déterminer ce que j'ai l'intention de construire en vérité. Parce que mon cœur me donne un plan, mais mon cerveau ne me dit pas comment. C'est beau ce que je viens de dire. Ah oui. Oh, des beaux animaux. Je te conseille de descendre en tant que monsieur araignée dans les fins fonds des profondeurs. Ok, je pose juste, disons, et mon bordel. De tuer la chauve-souris qui te donnera ton nouveau pouvoir magique. Tout à fait. Je pose juste le bordel important de manière à pas gâcher. Ah, je suis fou. Je suis fou, ouais, t'as raison, faut pas gâcher. Tac. Voilà, sur moi, je n'ai plus que ma pioche en fer et une épée en fer. Ouais, je fais. Et ce faisant... Il veut pas prendre. Allez, transformation. Je suis une araignée, hein, tu feras gaffe. Hein. Ouais. Délicatesse, c'est la gentillesse de faire gaffe. Ok, donc tu descends. Et tout en bas, près de l'eau, il y a une chauve-souris qui t'attend. Je la vois. Ah, je la vois, mais je peux pas l'attaquer de là où je suis. Saloperie, reviens ici. Ah, c'est moi, me tue pas. Attends, t'es laquelle du coup ? Moi, je me barre comme ça, t'es peinard.
Ouais, c'est, ça doit être celle-là. Tu veux que je tue le zombie pour toi? Attends, elle est trop loin, elle est trop loin. Ah, je l'ai eu! Ah ah, bravo! Nya-ha! Ta-ta-ta-ta! Aïe, 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 comment on vole, comment on vole? Ah, c'est bon, j'ai. Comment on vole? Bas des bras, flap. C'est Flappy Bob, okay. Après Flappy c'est ça. Bird. C'est ça. Et on est toujours équipé de l'épée en acier, du coup. Ah oui, ouais, t'es la chauve-souris la plus puissante de l'univers. Par contre, c'est lent pour miner le. Oui, il faut se poser. Miner en volant. Alors, le tin, c'est de l'étain. De l'étain, oui, tout à fait. Ouais. En fait, il y a un mode qui nous permettra de multiplier les ressources de manière complètement cheatée avec des systèmes de fusion. Malheureusement, je n'ai pas appris à m'en servir, donc ça sera dans d'autres épisodes. Mais je te propose, mon petit Bob, en cette fin d'épisode, qu'on aille voler là, de notre petite aile, qu'on fasse flap, et qu'on passe où tu veux, derrière le canyon. Alors, on va au nord, au sud, à l'est, ouest. Juste, on peut montrer les environs, non? Ouais, non, un seul, allez, on fait le suspense, il y aura plein d'épisodes de toute façon. Eh ben, allons au canyon, le canyon. Allez. Le canyon. Vas-y, formation serrée. Ah, il est là, d'accord. Je fais comme l'albatros dans Bernard et Bianca, je marche au sol. Je suis avec toi. Super. Et t'as vu comment c'est beau, quoi? On peut passer à l'intérieur des cavernes, on regarde prise de risque. Putain, je t'ai perdu. Ouais, je suis là. Je vois que ce soit la chauve-souris à la con qui se balade dans le, non, dans le périmètre. Des chauves-souris dissidentes. Oh, regarde, du coup, en tant que chauve-souris dissidente, je vais butiner le mur. Hop. Je butine le mur. Non, mais c'est pas trop cheaté, quoi. C'est complètement. Oh, du marbre. De butiner le mur. Par contre, Fanta, il y a un truc important, c'est que quand tu es en forme de chauve-souris, ta vitesse de minage est, oui, comme si tu étais sous l'eau. C'est ce que je t'expliquais, il faut que tu te poses. C'est très très lent. Tu te poses sur le bloc du dessus et puis tout va bien. C'est très très bien pensé. Et puis du coup après là tu peux miam. Hop, voilà. Oups. J'ai pris un peu de marbre du coup. Du marbre. Ouais, c'est le truc blanc. Il y a un super mode qui nous permettra d'utiliser des pierres taillées sublimes, magnifiques. Enfin, ça va être génial. Oh, mon rêve, il faut à tout prix que je me transforme en mouton. T'as vu comment c'est beau ici? Regarde, il y a des cerisiers japonais. Au nord, tu veux dire? Ouais, oh ça y est, mon rêve sera. Tu vois? Oh, et les moutons donnent de la bouffe! Ah, ça c'est pas une bonne idée! Ah, ça c'est une bonne idée! Ah oui! Attends, les bute pas dans ce cas-là, il va nous les falloir ces enfants de salaud, il va falloir qu'on les récupère du coup. Je suis un mouton armé jusqu'au. Oh, une maison! Il y a une maison là, Fanta! Une maison faite de bois, de paille et d'amour! Attends, parce que là moi je profite de mon incarnation en bébelle. Je me remets en chauve-souris. Ça veut dire que tu es une bébelle dans le tas, laquelle? Ah, celle qui se transforme en chauve-souris. Voilà. Okay. Je vais essayer d'en buter un, moi aussi, tant qu'à faire. Ah oui, c'est bon. Comme ça, tu auras le pouvoir du bébé. Hop. Ah, ça y est. Allez, viens, bébé. Ok, est-ce que ça donne des avantages particuliers ou... Pour brouter. Absolument aucun. Bon. Tu feras de la bonne viande. Oh, il y a un bébé avec une drôle de tête. Une tête, oui, de... Oh, il est trop mignon, lui. Bah, c'est une tête de vache mushroom. Ouais. On va essayer de le buter pour voir s'il drop pas. Ah si. Non, il drop pas. Hat unlocked, mushroom hat. En fait, Fanta, quand on bute les gens, on a débloqué des chapeaux. Ah bien. Attends, je vais regarder tout de suite dans contrôle comment on fait pour les chapeaux. Échappe, option, contrôle. Attends, peut-être c'est dans le truc cosmétique là, fais voir. Ah, c'est dans hat normalement. Dans hat. Non, il y a pas. T'as raison. All. Oh là, flan. Ah oui, aussi il y a des avions, il y a machin. Qu'est-ce ah qu'il y a? Non, mais on a du bordel. Des véhicules. Ah, on pourra fabriquer aussi des ballons dirigeables. Enfin voilà, putain, on va vous en montrer des trucs. Quel intérêt, on vole? Ouais, mais pour le plaisir de jouer à la Phileas Fogg. Je sais, c'est juste pour te troller, mon forfait. Voilà, ok. Tiens, ça c'est bien du charbon. Par contre, moi, mon inventaire est super plein. Et oui, tu as regardé la petite maison? Moi, j'ai pas montré, là. Tu m'as parlé de petite maison. Mais on était censé explorer pour la fin de l'épisode. On est pas censé mettre fin d'épisode, là, du coup. Si, c'est fin d'épisode. Pouce voilà, vert, si vous voulez voir la suite. Ah, chantage. Ah. Quack. Sur ce, entre-temps, moi, je vais réfléchir au design j'adore ces cris. Que je veux qu'on donne à la baraque. Et on revient vers vous quand on saura comment utiliser ces chapeaux. Parce que je viens de trouver une bébelle avec des lunettes de soleil. Trouvé une witch, mais elle m'attaque pas. Tout simplement. Bah écoute, on s'en fout. Gros bisous, Bob, et à la prochaine.
C'est pas grave. Bisous, à la prochaine. Merci encore. Bye.